En temps de guerre, il est nécessaire, parfois, voire régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, de savoir et pouvoir prendre des décisions rapidement, voire très rapidement, pour ne pas dire extrêmement rapidement. Des décisions importantes. Et il n'est pas forcément facile de prendre des décisions importantes, capitales, rapidement. Comment en faire? Comment conditionner son corps, son esprit à la prise de décisions rapides, très rapides, ultra rapides? Je vais faire un partage d'expérience. Enfin, je vais plutôt dire quel est pour moi l'outil essentiel, la pratique essentielle qui m'a appris et permet de prendre des décisions rapidement, même dans des situations délicates. C'est la douche froide. La douche froide version Wim Hof, la douche froide prolongée, c'est ce que j'appelle la douche froide prolongée. En tout cas, si on prend une douche, mais on peut aussi faire des bains froids prolongés. Et ça, c'est très important, j'en ai déjà parlé, hein. On trouve plein de vidéos aujourd'hui là-dessus sur Internet. Mais la prise de décision rapide est à mettre en lien avec le froid. Le froid, ça nous fait prendre des décisions rapides. Quand on a froid sous la douche, on bouge vite, on prend vite notre douche. D'accord ? Mais si tu restes sous cette douche froide, eh bien, tu vas apprendre ton corps à être conditionné au froid. À un tel point que si tu restes longtemps sous l'eau froide, si ta tête elle reste sous l'eau froide, eh bien, à un moment donné, tu vas avoir l'impression que ta tête, elle est enserrée par une ceinture. Ça te serre, jusqu'à un moment donné où ton corps comprend, ton cerveau comprend qu'il doit s'adapter. Et ton corps, ton cerveau, va mettre en ordre les choses nécessaires pour que ton corps s'adapte. Et du coup, tu vas ne plus ressentir le froid de la même manière, parce que ton corps se sera adapté. Tu auras eu cette première période, tu auras eu froid, tu auras ressenti le froid plutôt, et ensuite ton corps s'adapte. Tu sens que l'eau est froide, mais ton corps a, comment dire, augmenté sa résistivité. Voilà, et ça, cette pratique, ça aide l'humain à prendre des décisions très rapides. C'est la douche froide qui m'a permis de tout plaquer. De tout plaquer du jour au lendemain. De dire, ok, je donne ma démission et je m'arrache de ce monde. C'est grâce à la douche froide que j'ai eu, comment dire ça, la force mentale, la puissance mentale nécessaire pour traverser cette situation d'inconfort dans laquelle je suis depuis 2 ans, c'est-à-dire sans logement réel à part mon véhicule qui est en panne sur un parking. D'accord ? Donc, comment dire ça ? La douche froide m'a permis aussi non seulement de prendre les décisions, mais aussi de traverser cette épreuve. Quand on est à la rue, on a besoin de prendre des décisions rapidement, il faut agir rapidement. Il faut avoir une hyper résilience parce que le moindre petit problème, si tu ne le résous pas, il y a des problèmes, si tu ne le résous pas immédiatement, ça va enchaîner une cascade de problèmes. Et cette cascade de problèmes, elle va t'enfoncer encore plus. Donc si tu veux rester à flot, eh bien tu dois prendre des décisions rapidement, maintenant. Ok ?
Donc la douche froide, la douche froide.